et architecte Lucie Voltaire, tout différentes interventions dans la presse pour te parler du travail qu'il a fait, etc. Donc, monsieur lui-même, Voltaire, était visité, accompagné de la police nationale là, avec l'armée d'Haïti, il a regardé l'aéroport, parce qu'il y a une nécessité pour que l'aéroport soit ouvert, parce que depuis l'aéroport est venu, c'est pète, économiquement, c'est pète qu'il a fait. Non seulement pour les gens qui travaillent dans l'aéroport, mais les gens qui travaillent de ça qui passe dans l'aéroport, tant que cargo, tant que bagage, mais tout. Et l'État haïtien, tout est un manque à gagner dans ce qui passe dans l'aéroport, donc dans la fermeture de l'aéroport. Donc, tu as regardé pour eux, mais jusqu'à présent, on n'est pas comparé. On n'est pas comparé vraiment parce qu'il y a l'autre travail qui vous faites. Ils ont commencé à caser les cailles, puis il y a des cailles qui étaient crampées carrément et que pour des raisons de sécurité, ils ont dit que ça pas garantie sécurité passager avec avion cap vina dans l'aéroport, atterri dans l'aéroport là. Donc, et compagnie aérienne, en fait, assurance, compagnie qui assure l'avion, et bien, même poser des conditions qui beaucoup plus, pour demander responsable, plus capable d'ouvrir l'aéroport. Donc, ça veut dire que, et pendant que nous avons gagné deux vols, et en fait, pourquoi il y a un avion militaire américain qui a venu dans l'aéroport là et justement qui a porté équipement, matériel, justement pour être capable de non seulement sécuriser l'aéroport, mais construire une installation pour force multinationale qui vient pour venir en Haïti, qui est le monsieur Sénat. Et Sénat aéroport, il a prêté, il a hébergé. Même si que va pas circuler dans la rue pour aller acheter ou bien encore faire partout etc. mais en principe base c'est là la pied. Donc il y a une critique tout concernant conseil présidentiel là tout, c'est surtout il y a un groupe qui est censé et gain représentant dans le conseil là, on parlait de coalition 30 janvier qui lui-même gagne là-dedans les plusieurs groupements politiques, tant qu'au GRE, tant qu'au UNIR, tant qu'au PHTK et tant qu'au OPL, et bien eux-mêmes, ils ont critiqué, ils ont dit que le conseil là, t'a violé l'accord qui a été signé entre eux le 3 avril, l'accord c'est surtout sous présidence, qui a dit qu'il y a un seul président qui peut diriger le conseil là pendant toute transition, hein, c'est pas ça qui fait. Il a dit tout, et pas ça qui fait. Donc finalement, il était venu avant même l'élection, il était à l'élection, pas d'élection, donc il a désigné, ils ont d'abord Edgar Leblanc fils que tu as entendu, après négociation, tu as entendu sur lui, et que tu as choisi parce que monsieur peut-être le monde qui était capable de moins de conflits autour de lui-même, et puis il était tout proposé au premier ministre. Et bon, le parti est là, moi, il dit non, 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 non. Si nous sommes d'accord avec Edgar Leblanc fils là, mais nous sommes pas d'accord avec le premier ministre, nous voulons que pour gagner candidature et son sélection pour faire à partir de candidature, monde qui déposait pièces, etc. Donc, pour répéter, et chaque parti qui a mon dans le conseil là, tout, eh bien, il va faire une proposition par eux, il a une idée pour que. Pour gagner au lieu de majorité 4, pour une majorité 5, plutôt pour des grandes décisions, conseil la prend, et c'est pas ça qui est écrit dans l'accord, et 3 avril là, gagner l'autre groupe qui était proposé tout, et bon, deux membres qui n'ont pas le droit de voter, ils n'ont toujours pas le droit de vote, ça passait quand même, et, mais il y a l'autre groupe qui était proposé pour qu'on présidence tournante de préférence, que chaque monde capable de faire, bon, on a dit 5 fois 4, chaque monde capable de faire, et 4 mois, ou c'est moi, dans tête conseil là. Donc, pour qu'on y ait dit, comme nous avons déjà choisi Edgar Leblanc, fils, eh bien, que lui-même, il est là, il peut faire 5 mois. Et puis, après ça, par l'autre rotation, par Augustin, qui a venu en deuxième, parce que Augustin vient remplacer, et Frigian, représentant Montana, qui lui-même, pour une raison quelconque, l'Augustin Devine dit lui-même qu'il voulait faire partie et rotation, eh bien, Frédéric, par exemple, te dit, parce que d'après la déclaration, le bail dit que c'est juste qui était plus bas que le café pour te résoudre une crise que tu as paré pour venir, eh bien, il dit, il est à l'école, et après le final de l'école, il informe Montana. Donc, lui-même, il parle là-dedans, donc, toujours, parce qu'il était toujours décidé que, et si c'est une rotation, tu as pris avec 4 membres au lieu de 5 membres. Donc, monsieur, à l'école, il pensait que c'est le plus bon choix que le faire. Et puis, Kounia, depuis lundi 13,
mais eh bien registre inscription ou bien encore je commence à recevoir documents pour monde qui est intéressé pour une candidat pour poste premier ministre. Cependant, c'est pas tout le monde qui est qualifié pour poste pour une premier ministre. D'abord faut gagner un parti, un parti signataire à 3 avril là qui représente qui signe pour qui reconnaît ou qui dit que bon n'a supporté candidat c'est par exemple pour Gary Conny, un groupe qui déjà supporté Gary Conny qui était ancien premier ministre au gouvernement et sous administration Michel Martelly. Nous connaissons le beau ça bah ça rien de fait. Bon monsieur c'est lui qui a supporté monsieur. Et puis qu'on y a l'autre monde qui a le monde qui était court vite à déposer document à déposer document depuis longtemps et moi ça nous raconte qui ça cap faire c'est appelé un groupe qui pour un monde qui un groupe en pour supporter eux ou pas nous raconter mais après cette réception ouverte l'ouvert lundi 13 et l'a fini vendredi 17 mai et les a fermé les inscriptions donc pour l'analyser les candidatures qu'on a pour connait qui est ce monde a choisi qui capable venir au poste premier ministre là. En tout cas, c'est là l'écrit et gouvernement intérimé à tout, en la personne du Premier ministre Patrick Boisvert, pour dire, monsieur, regardez, si vous faites camper sur nomination à PDFEO, monsieur, font un paquet de nominations, si tout ministre des Affaires étrangères, tombez par job, tombez nommé monde, pour venir bailler le gouvernement actuel pour voir ça problème, parce que nous avons un paquet de monde, et surtout c'est dans la diplomatie haïtienne. Demandez, monsieur, camper et retourner sur nomination ça, il n'y a pas valable encore, et que vous n'êtes pas capable de faire nomination ça. Donc, voilà. Et c'est comme à l'habitude, parce que c'est pas une fois que le gouvernement passe et les opérateurs qui quittent, ils font pas qu'une nomination, que pas de faire pendant l'été là, avec quelque chose pour les faire, ils pas de faire pendant l'été là. Bonsoir madame Marie la Cadès. Et puis ils ont pas de monde qui était là. Pas tout parce que leur bandit a opéré, et ben monde pas carré trop près, donc n'attend pour nous voir que, et ben c'est un pile gros institution, nous monde en français on dit régalien que il a attaqué et nous connaît que déjà passé dans Inat et J.P. Damien, il a parlé de la Bibliothèque nationale, il a attaqué le Nouvelliste, il y a eu la Cour supérieure des comptes. C'est une situation qui a évolué dans le mauvais sens, bien que il y a un peu de monde qui te parlé d'un petit calme qui te gagne, mais quand même, il y a des bails qui fait, notamment Grécier Seyon Nadayo et Ocha dans un rapport là, parlé de incident Grécier. Donc, et son groupe bantique qui a envahi le local, Cour supérieure des comptes là, Koussouver des comptes là, pas oublier, il est tout près Palais National. C'est dans le même giron, côté que t'as supposé, il t'a même presque en zone stérile, qu'on dit, et t'as supposé gagner, et la police avec l'armée d'Haïti là. Et puis l'autre point concernant le pays d'Haïti, c'est chef Binuan, qui c'est Maria Isabel Salvador, qui c'est chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, et qui c'est représentant tout, secrétaire général là, Antonio Guterres, dans le pays d'Haïti. Donc il était réuni hier avec conseil présidentiel transition, ils ont discuté notamment de questions sécurité, mais surtout ils ont parlé tout de résolution 2699, conseil sécurité Nations Unies, qui lui-même, même s'il passe sous l'obédience l'ONU, mais qui d'accord que force multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti, Cap Gatet le Kenya, eh ben pour entrer dans le pays d'Haïti. Donc c'est point ça yo, nous pas connaître qui l'autre encore que y aborder, mais et réunion était faite, son réunion qui fait entre madame Maria Isabel Salvador avec conseil présidentiel transition. Et n'a pas rappelé que semaine qui vient là son semaine qui déterminant parce que gagne un contingent et Kenya cap entrer dans le pays environ 200 d'après ça dit. Et puis c'est dans le même moment ça tout que président William Ruto lui-même l'a entré aux États-Unis pour une visite spéciale. Donc semaine prochaine a gagné en pile actualité surtout sous question mission ça. Donc tant qu'on te dit et l'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti c'est fête drapeau qui a déroulé demain c'est 18 mai rien de spécial mais cependant dans diaspora grand pile côté qui a fait activité notamment qu'on fait dans New Jersey, qu'on fait dans New York, qu'on fait dans Georgia éventuellement et mais côté pour gagner gros bagarre là c'est dans Miami avec Compas Festival. Donc comme d'habitude VOA Creole à présent dans Compas Festival tout monsieur a descendre les Fred Kaimi, Valerio Saint-Louis et Gentil Augustin Junior
Abela, Jean-Robert Philippe, pratiquement c'est moi-même avec et Sandra Rodriguez qui peut là, Sambly Marie-Louis Pierre et Serge Michel. Donc comme Serge Michel déjà en Floride, donc M. Kabien fait coup de pied. Donc lundi, nous avons un reportage complet sur le Compas Festival là pour ou même qui pas de cas aller. Ou bien tout, ou capable de suivre nous, ou capable de suivre nous en direct parce que nous avons en direct et nous avons sous place. Et puis, il y a un bureau Affaires humanitaires des Nations Unies, on a parlé de OCHA, qui publiait, dans tête collée avec partenaires humanitaires, il y a un rapport sur la situation humanitaire dans la capitale, la Port-au-Prince, sorti 9 pour arriver 16 mai 2024. D'après le rapport, eh bien, aussi, il y a les violences dans la commune et Grecia qui fait que il y a 4400 personnes qui courent quitter la région et pas me faire connaître que les gens li à bayo manger. Quantité moun ki victime zak violence ki basé sou si moun nan garçon ou femme, et ben multiplié par 5 en 2 premiers mois avec mois de mars là, côté yo sorti de 250 à 1543. C'est sacré les quintuplé. Il multiplié par 5, sorti dans 250 pour arriver dans 1543. Yo dit que violence sexuelle yo représentait 75% incident qui enregistré. Là on dit incident qui enregistré, ça veut dire qu'en pile incident tout qui pas enregistré. Donc, soit là, ça pas enregistré tout. Donc, chiffre là, pas encore. Puis, gros, bon, monsieur qui fait statistique, bon, gens pour arrondir les angles, pour capable présenter au lit de façon qui plus professionnelle. Et toujours d'après rapport OCHA, Programme Alimentaire Mondial PAM, après 2 mois blocage, eh bien, pour raison sécurité, eh bien, reprendre activité depuis semaine qui s'est passée là, avec distribution de produits alimentaires, surtout dans la Cité Soleil, côté environ 95 000 moun, eh bien, yo jwenn manje. Donc, son rapport que OCHA fait, il y a un aspect économique, il dit que il y a un problème financement. Et lui-même lance un appel à la communauté internationale là, pour lui-même, il est capable d'aider moun, ONG qui travaille en Haïti, surtout dans le côté que l'insécurité a plus touché. Donc, il y a un aspect et santé tout côté que dit gain clinique mobile k'ap bay et k'ap bay soin et fon dit tout que porte-parole la maison blanche Farah Khan li même li té bayon briefing mercredi qui se passé là côté que il té parlé de assistance que organisation humanitaire a bay dans pays d'Haïti malgré situation rete compliquée. Et puis rapidement parce que nous pas prétend pile n'a dit que dans ici aux États-Unis bon gain Israël Hamas là toujours est là et nous connaissons que grand pile qui a sauté Nations Unies grand pile qui a sauté pour présence force israélienne qui rentre dans Rafah il a progressé dans Rafah pendant ce temps pont que les États-Unis étaient bâti un pont flottant les sont pont humanitaire côté que ça permet que yo bay assistance pour Gaza mais jusqu'à présent toujours grand pile qui a sauté concernant pour en Gaza parce que dans pile et agent Nations Unies monde qui a travaillé avec Nations Unies pour la question et activité humanitaire yo même tout yo été obligé quitter donc il y a pas l'pile de pont ça. Et puis l'autre point encore gen président Rusla président Rusla Vladimir Poutine lui même qui mettait fin dans un voyage qui mettait fin dans un voyage 2 jours que il était fait dans pays la Chine côté que il était gain ici plusieurs contrats. Il fait plus, je t'attendais avec président chinois Xi Jinping et il est content de ce que gon rapprochement qui fait entre deux pays ça yo et nous connecte tout que et grand pile causé des rencontres ça tout les deux grands rencontrés comme ça et puis gagne tout gagne la Chine qui pas jamais proposition claire sur guerre Israël non et pas guerre Israël en Hamas non mais guerre la Russie a fait contre et Ukraine et il pas jamais bailler en position claire sur lui il pas dit ni pour ni li contre. Et puis l'autre point que nous capable signaler nous connaît que procès historique ancien président républicain et Donald Trump li toujours dans actualité surtout avec déclaration tête chargée que Cohen a fait depuis mardi mais yon ti jan et avocat Monsieur Trumpio, eh ben, on t'y j'en mêlé, monsieur. Donc, bah, là, ton t'y j'en très compliqué, on t'a fait cross-examination. Parce que monsieur t'es fini répondre une question, monsieur t'es fini faire des positions. Mais qu'on y a, avocat, ancien président lui-même, il est venu pour lui, capable de faire éliminer tout,
toute déposition, toute question que le répond, donc bah là on tient compliqué. Donc je dis à président, ancien président et républicain en parlant de Donald Trump, les mêmes qui après assister dans graduation et petit Lee Brown dans high school et non high school graduation, ça veut dire et fin études primaires li dans Florida et ancien président mettait tête li pour Minnesota. Minnesota son état qui très spécial parce que son état qui foncièrement démocrate et li pou jam perdu une élection présidentielle et démocrate pou jam perdu une élection présidentielle depuis Richard Nixon en 1972. Donc c'est là que ancien président pour aller. Et puis premier ministre Slovaque Robert Fico lui-même deux jours après tentative d'assassinat, il a une deuxième opération que pour le faire là pour être dans quelle mesure que capable et mettre stabiliser totalement et ça gain deux jours il était victime d'attaque qui était victime d'attaque donc tentative d'assassinat et l'était dans réunion dans en Louva. Donc il a suivre monsieur était obligé c'est hélicoptère était obligé prendre pour y était maintenant dans l'hôpital pour y était entre la vie et la mort mais a essayé de plus en plus stabiliser d'après dernier rapport d'après dernière information que nous capable joindre à travers une conférence de presse que y a un médecin bail et ben ça a demandé quelques jours pour vraiment capable stabiliser premier ministre Slovaquia Robert et Fico et puis matériel ça c'est les mêmes qui gagnent. Qui côté le joint matériel ça? Dernier bagage unité village dit il mettait capé là tout côté le joint matériel ça qui est-ce qui bali yo? Nous besoin de vérité ça yo. Si dans l'état là nous prenons avec ça yo dans cadre opération nous fusé yo et bien yo pral prendre l'autre tineg qui en tant ghetto encore yo refait yo même ça et même pi mal que iso pi mal que la mort sans jour pi mal que barbecue qui fait pays a en pile mal. Nous besoin prendre monde ça yo pour une vérité dans main. Nous besoin vérité dans main parce que pays a soif vérité. Si nous pas qu'à faire comme ça, après chaque 10 ans, chaque 20 ans, chaque 30 ans, n'a pas une mission qui a venu, n'a éliminé un groupe bandit, un autre groupe bandit a sorti plus puissant toujours. Pour résoudre le problème, ça, c'est dans la racine pour aller. Faut rentrer au profond, dans la racine de personne, pour résoudre le problème. Pas qu'à entendre que, ou gond l'eau qui a un problème, et puis ou pas aller à la source. C'est dans la source là pour arriver. De vous arriver dans la source là, ou a pris contrôle envahissement de l'eau ou a ka réduit sous début ya. Parce que toutefois que nous fait ça en 2004 pas des bandits non que tu es dans pays ya. Ah mon cher, mais si gamin bandit vient réduit clair ça n'est qu'il a plus violent toujours mon cher n'est qu'il a plus violent bandit vient ça c'est ça fait que nous besoin prendre responsabilité nous et ça comme jour année 2024 là c'est symbole de résistance populaire ou bien justice populaire avec mission qui a venu, peuple a pral utiliser ça pour bail tête les justice. Et bagarre a pral du en pile blessé personne. Blanc passé là-dedans, haïtien passé là-dedans, civil a passé là-dedans, chef a passé là-dedans. Et le clair. Le clair pour tout le monde. Parce que pas qui peuple qui résilient tant que peuple haïtien. Situation difficile. Malgré ça ouais, il y a mon cap faire résistance pour rester kembe quand même blessé. Avec faible moyen que vous avez. Vous avez dit que le peuple a une opportunité pour le vacuer avec activité, pour faire commerce, pour la faire échange. Vous avez gagné plus bon peuple que le peuple. Nous avons envie de vivre. D'ailleurs, vous avez tout. Aïe, c'est vraiment des empiles de désir. Aïe, c'est vraiment des empiles. Aïe, c'est son petit peuple. N'est pas petit calbaga ou bali satisfait. N'est pas petit calbaga ou bali haïtien. Pendant que surtout l'on a besoin dans le moment, li satisfait. Vraiment satisfait. Parce que. Il y a déjà reconnaître que comme si il peut pas faire tête menti ça pour dire comme si on Haïti son gros pays comme si non il connaît qu'on est dans catégorie pays comme si bagaille il accepté mais il demande minimum non et c'est minimum de défense LB là c'est minimum de demander à Ariel Henry qui va jamba était qui pour qui bande vagabond des idoles cap dit pousser au quoi il est beau il est joli il est stylé ça OK. Et je dis en tout, n'a pas essayé de garder tout le monde dit que les que deux mouns qui passent dans l'État, qui ont responsabilité ça, yo, et yo pas assumé responsabilité, yo, vous avez compris?
Je dis à jeudi, pendant que le peuple a réactivé la question de Bois-Calé, il faut réactiver le tout. Quand tout le monde qui mettait pays à côté de là, mais ça me dit, exactement, qui a une responsabilité pour te empêcher que la situation arrive là et qui ne fait pas rien, et au contraire, li te mette en connivence concorde avec bandi armé yo lè ou te kon kidnappé des moun de ou ap jwenn des officiels qui va porter zaman nan ghetto qui pral libérer moun yo alors qui pral arranger avec bandi yo qui pral libérer moun jodi an pendant que peuple pral réactiver question justice populaire là la besoin tout à chercher moun sa yo la besoin pour la questionner moun sa yo pour demander moun sa yo. Pendant qu'on te fait comme sénateur, député, magistrat, kazek, azek, ministre, et premier ministre, directeur général, président, qui sont te fait? On a passé comme président, fin krason pays, et puis je dis à l'irichita de téléphone, pède radote, pède rance, t'en a fait qui moun. On a fin passé comme président, krason pays, et je dis à comme si l'équipement moun, qui a fait propagande pour ne s'attuer, n'a fait qui moun encore. On a passé comme premier ministre, comme ministre, fin krason pays. José Adé moun a fait propagande pour moun sa, pour que moun sa retourne à figure moun encore. M'a toujours dit moi-même. Haïti n'est pas pour nous seulement. M'a toujours dit. Haïti n'est pas pour nous seulement. Haïti a pour moi tout. Haïti a pour désir tout. Haïti a pour chaque, pour tout haïtien qui reconnaît que c'est haïtien. Même les qui ont des âmes qui ont tué moun, ils connaissent ces haïtiens. Ils connaissent pas le côté bruyol. Même quatre identifications nationales même. Pour même identifier eux même. C'est la priorité. Et la priorité. Et ça fait tout. M'a toujours dit. Gè obligation. Gè obligation. Pour que chaque haïtien mette mes noms pas là. Pour libérer pays ça en bas griffe malfecteur en bas griffe mendi en bas griffe déstabilisateur en bas griffe casse pays en bas griffe l'occident gè obligation pour chaque haïtien engagé dans nouvelle haïti dans notre haïti et me je dis nous pas prendre congé nous pas prendre traite nous pas prendre apatride non nous pas prendre congé nous pas prendre traite nous pas prendre apatride parce que je dis un pays difficile en ville. Il est difficile, même toujours dit qu'il y a l'espoir. Il est difficile, c'est vrai. Même toujours dit qu'il y a l'espoir. Même toujours dit que mais pour que les bagailles changent, c'est engagement nous chaque. Même j'aime un désir après engagement, ça comme deux jeunes garçons. Et qui croient qu'à prendre l'autre Haïti, qu'à demander engagement citoyen, qu'à demander engagement populaire. Ok. La tête chaque grain de monde. Alors, monde qui conscient, c'est monde qui honnête, oui. Monde qui conscient, qui honnête, oui. Qui voulait changer pour Haïti, hein. Je dis, je crois que, faut continuer à engager, nous. Je dis, faut continuer à prendre de engagement. De